Yo, what's up with it? Yes, we talking God's here, no tats. And we are here having a special guest, Simone Butt Brooke, the Etazuni. You know what I'm saying? An American who he bought by the front say. You know what I'm saying? And about regarding Les Jones on song for some point of view. We gonna see on Vera Kiski Pons the Les Jones. You know what I'm saying? So lui il est là depuis une semaine, deux semaines. Et là il part dans deux jours. Mais you know what I'm saying? On verra qu'est-ce qu'il pense. You know what I'm saying? The pensée d'un American qui parle pas français. You know, so let's go. We gonna see it, man. Brooks, hey, what's up to the What's up, guys? What's up, man? How you doing? You like France? Yeah, man. It's a real nice country. The architecture is crazy cool. People have been real nice. People are nice, huh? Yeah, I gotta say, everyone that I've met, open arms and, ate a lot of good food. Can't beat the food. Yeah, but before you came here, the Americans were telling you that French people were rude. Yeah, I caught, was a little nervous before. People were, having, everyone has their opinions and stuff like that, and a couple people told me their experiences, but I've had nothing but great experience so far. Nothing but, good food, good people, great hospitality. And then we saw, was it Ash? Ash Van Duy. Yeah, Ash Van Duy. That concert was something else, for sure. Great concert. Yeah, real. So you love France? Yeah, definitely. I can't wait to come back. Wish my friend wish I could speak French, but even though I didn't, people were still helping me out and showing me the way, so. Oh, that's good. Bro. Yeah. So now we're going to look at the video. Regarding the video, Louis Vuitton met on my place. Said, we can réagir. Moi, j'ai déjà réagir. Said the video, mais c'est bien accompagné Louis. Louis va réagir. Et moi, Louis va réagir. Et moi, j'ai bien le côté là. But don't worry, on est là, on est by, let's go. Okay. If you want to stop the video at any time, just press this, okay? All right. And you press this to start it. So go ahead. Dit du Sud. C'est dans cette petite bourgade que vit Jean-Michel, alias Johnny Michael. Propriétaire d'un ranch d'une trentaine d'hectares, il vit paisiblement de l'élevage et de la production laitière entouré de ses deux frères, Jean-Pierre, alias Johnny Rock, et Jean-Claude, alias Johnny Claude. Hi! Welcome to the ranch. Can I get some burger, please? Fuck me in my bed, bitch! Malgré un anglais plus que parfait, ne vous y méprenez pas, ces trois jeunes adolescents ne sont pas américains. Ils sont en réalité natifs de la région et... This is what they think, the American cowboys are just around. Et ne l'ont jamais quitté. À tout juste 17 ans, loin des consoles de jeux et des émissions nocturnes, ils se passionnent pour le rodéo, la chasse au gibier, le lancer de tronçonneuses et la fabrication de bombes artisanales à partir d'anciennes clopes électroniques trouvées dans des brocantes. Préparez-vous pour un véritable voyage initiatique, celui de trois frères unis dans l'amour. L'amour du port d'armes, de la musique, du rock et de la viande. Bienvenue dans le monde des Jones. Une nouvelle journée au mode de vie 100% américain débute pour nos trois frères. Oh, tu clignes des yeux quand tu tires? Un vrai mec du Michigan? Regardez, ce technicien a fait ses lacets. T'as peur contre les vols ou quoi? On n'est pas dans l'Oregon ici. Personne n'a la ref ici? Vous êtes de l'Ontario? Un humour californien typique, tout comme leur alimentation, exclusivement composée de viande. Des légumes? On a refait quelques légumes ici! À foutre de l'essence! Bye bye les betteraves! Vous savez, on n'est pas comme tous ces ados de notre âge qui passent leur temps sur TikTok à danser la tectonique et donne-nous l'idée d'idolâtrer des boys bands tels qu'une direction. Nous, ce qu'on aime, c'est revendre des pots de bêtes, couper du bois, tout ce qui touche aux USA. Comme cet aigle. Trumpy countdown! S'ils ont diversifié leurs activités au sein du ranch, c'est pourtant de l'élevage bovin et de la production laitière que vivent nos trois passionnés. On l'a appelé Johnny Cash. Les gars, où sont les offspring? On les a sortis ce matin? Elles sont là-bas. Ok. Une situation financière particulièrement confortable, grâce à la fabrication du Saint Roosevelt. Elle, c'est Elvis. Son meuglement est divin. Écoutez donc.
C'est d'ailleurs d'elle que vient le Saint Roosevelt, donc on peut lui dire merci. Merci Elvis. Un fromage dont eux seuls ont le secret et qu'ils vendent à prix d'or à une clientèle avisée et au portefeuille bien rempli. Des vieux. Perfectionnant leur savoir-faire d'année en année, ils ont su accroître leurs bénéfices grâce à des techniques innovantes. Ça vient de prendre $1000. Saint Roosevelt, c'est un fromage rarissime. À l'image du bœuf de Kobe, il a une valeur bien supérieure au commun des fromages. Regarde le produit. Sans ça, sans-le. Sans... Tu le connais. C'est pas dégoûtant, ça. Un échantillon comme celui-ci vaut dans les 1170 balles, je dirais. Obama. Comme le président américain, Obama. Mais ils le connaissent pas, je pense. Non. Toi, on t'a déjà dit non. Regarde comme t'es accro, là. Tu grinces des dents. Tu t'en vas. Si tes parents nous ont appelé hier, t'es accro à cette merde. Non, hey, tu vas arrêter de consommer cette merde et tu vas reprendre les études rapidement, s'il te plaît. Rentre chez tes parents, dégage, va étudier. Étant donné les sommes colossales générées par ce business alimentaire, les Jones ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour assurer leur sécurité. J'ai pas mes lentilles. Va. Le Saint Roosevelt est une denrée rare, un précieux trésor qu'on se doit de protéger. On fait des nuits extrêmement courtes. Pour éviter les vols ou que des clodos pissent à l'intérieur, on essaie de faire des rondes et tous les quarts d'heure on change de poste. Ok, on tourne à toi, Johnny Rock. Puis on se branle beaucoup. Après, c'est pour se réveiller les uns les autres si on se branle, c'est pas... Si des fois, par exemple, Johnny n'arrive pas, lui, à rester éveillé, voilà. Je lui fais ça, comme ça. Mais moi, je peux m'endormir soudainement. Donc faut qu'il y ait un Johnny qui me réveille. Hop là, et là à partir de ce moment... Hop là, là ça me réveille. Et là on est focus là. Là on peut voir ce qui se passe comme ça. C'est grâce à cet argent qu'ils ont pu s'investir pleinement dans un domaine qu'ils affectionnent tout particulièrement. Le rock'n'roll. Ils possèdent même un studio derrière tout équipé au beau milieu de leur exploitation. Un studio qu'ils doivent également protéger. Bande de jaloux. Laissez-nous faire des hits. 3-6. Éloignez-vous de nos cartes son. Je suis touché. Ah non, ça... Ça fait 2 heures que les voisins se plaignent. Je pense qu'il va falloir arrêter de tirer partout, les gars. Vous avez un mandat? Vous en avez pas marre de nous contrôler? Bande de racistes. C'est quoi qui vous dérange chez nous? C'est ça? C'est le fait d'être américain, c'est ça? Ici, c'est le ranch des Jones. Alors merci d'être venu, mais au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Allez, on peut finir ce morceau? Allez. Vous voulez pas qu'on tire? En avant la musique. Voilà. Wow. C'est ici qu'on crée toutes nos compos. Homme sweet homme. Faites semblant qu'on connaît un peu les machines. Les quoi? Compositeurs, auteurs et interprètes, leur répertoire comporte aujourd'hui plus de 6 morceaux, écrits en anglais. How do you like it? It's funny? It's crazy. Is this what they think, like, goes like a spoof on the... Yeah, a little bit. Not okay. They're not too off, though. No robot chicken. Au début, quand on a commencé, on n'était pas forcément très inspiré. Love is the love when the love is loving the love. I'm not sorry. I'm from Missouri. That's a good song. Malgré cette passion pour le pays de 50 Cent, nos trois frères n'ont jamais mis les pieds sur le territoire américain. Pour une raison qui leur appartient. On n'a jamais eu la chance d'y aller, c'est vrai. Mais j'ai déjà un pote qui est parti 6 mois en Erasmus en Écosse. Et il m'a ramené ça. En réalité, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas. Parce qu'à chaque demande de passeport, on doit fournir une photo d'identité. Et pour ça, sur les photos, oh, la vache. On doit se séparer de notre chapeau et ça nous met pas à l'aise. Notre identité, c'est notre chapeau. Et sans ça, on n'est plus américain. Toutes les semaines, on essaie de se forcer à le retirer pour faire les photos, mais sans succès. Je vous parie $11 qu'on va encore faire chou blanc. Allez, tu vas y aller. Allez. Je me vois sans chapeau dans l'écran. Il est là. Ouais, c'est pas si compliqué. On m'a pas vu. C'est bon. Okay. Tu vois, c'était pas compliqué. Tout va bien, c'est comme faire du cheval. Tu nous as arnaqué, les gars. C'est bon, c'est fait. Johnny, c'était parfait, c'était bien, Johnny. Bien que citoyens français, les Jones ne se sentent pas pour autant intégrés. En témoigne leur méconnaissance totale de la culture de leur pays de naissance. Est-ce que vous reconnaissez cette personne-là? Je sais pas. Galilée, non? Il brandit une boule, une sphère. Il a peut-être trouvé que la Terre était ronde. La Terre est quoi? Je sais ça, bien. Ça, on ne mettra pas, ça. Non. Mais il y a un gars qui l'a dit. Je suis pas dingue. Zaini, 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 Zaini. C'est lui qui a frappé l'Italien. C'est ça. Et cette personne-là? Le Dalai Lama. Jackie Charaiki. C'était notre président. Avant. D'accord. Okay. De quel pays? Mais s'ils n'ont connu que la France et sont tous les trois nés dans la clinique Michel Jonas située en centre-ville, ces trois valeureux fermiers ont bien du sang américain. Nous sommes tous les trois nés du même père. Et si on est passionné par le rock, c'est grâce à lui. Notre père était une grande légende du rock, que ce soit aux USA ou à l'international. Il remplissait les plus grands stades. Et il a aussi rempli nos mères.
De sperme. Vous avez vu Zerwell Biblod, Daniel Day-Lewis? Vous remplacez le pétrole par du sperme, c'est un film sur notre père. Il avait pour coutume, après les concerts, d'organiser des grandes fêtes où il partait à la rencontre de son public. C'est ici qu'il a rencontré nos mères respectives. Tout nu. Bandant. Le lendemain de notre conception, il organisait un concert clandestin sur le lieu du festival. Ici même. Il y avait du monde partout, ça allait d'ici, jusque là-bas. Malheureusement, la mairie a donné son accord au même moment à constructeur anglais pour la fabrication d'un restaurant de pudding. Mais il a rien voulu entendre, et il a continué de chanter, tel un ange. Le chantier a démarré, il a pas voulu partir et une bétonneuse l'a enseveli. Il a pas pu s'extirper et... il est mort. Ce que vous voyez là, c'est pas une statue. Non. C'est sa tombe. Ça nous a pris du temps, mais on a fini par tout découper dans le béton et en faire une plaque commémorative. Je me mets là. Ouais. Donc, de temps en temps, on vient ici et on se recueille. Ton sperme coule dans nos veines. Fuck England. C'est les Anglais qui l'ont tué. On leur en voudra toute notre vie. Ah, c'est par où l'Angleterre? C'est par là. Fuck England! Fuck England! Fuck! Fuck, fuck fish and chips! Fuck you! Your music is... shame on you! Bobby! I miss you so much! Une enfance sans père, c'est ce que les trois cow-boys ont dû surmonter durant toutes ces années. Et c'est au lycée qu'ils vont le découvrir quand ils vont se retrouver dans la même classe. On s'est tout de suite rapprochés en voyant qu'on avait tous les trois des looks très atypiques. De véritables punks. Il nous arrivait, ouais, de porter des tennis. Blanche. Tout le monde nous trouvait différents. Tout ça parce qu'on écoutait des groupes un peu hardcore comme Oobass Tank, Simple Plan ou encore Maroon 5. Ils avaient peur de nous. Tellement qu'à notre premier concert, personne n'est venu. Faites du bruit à droite. Puis on a continué quand même. Et ça a pété par la suite. On s'est rendu compte qu'on était très écoutés aux États-Unis. 25% de notre public venait de Nashville. Alors après une réunion stratégique, on s'est dit qu'il fallait satisfaire ce besoin et aller se produire en concert live on stage à Nashville. Je ne sais pas qui sont ces bots, mais en tout cas, ça va leur faire tout dingue de nous voir en vrai. Vous captez, bots? When I go to the market, I eat some food. De base, on devait jouer au Geodis Park à Nashville, qui est un stade qui peut accueillir jusqu'à 30 000 personnes. Malheureusement, notre concert tombait pile poil le jour d'un match. C'est dommage parce que nos musiques sont conçues pour des stades ou des festivals comme Woodstock. Mais bon, il va bien falloir s'adapter, on va jouer au Fat Bite, une salle de concert assez énorme à Nashville. On est toujours parvenu à s'adapter. Quand on se faisait racketter, on donnait de l'argent et puis ça nous permettait de pouvoir continuer à se promener. Ça s'appelle l'adaptation, je crois. Ça, c'est bien une leçon à apprendre. Quand vous avez un problème, ayez de l'argent. C'est décidé. Nos trois frères partiront se produire aux États-Unis. Une fois leurs papiers en règle et l'équivalent de 3 SMIC dépensés en photos d'identité, les voici enfin prêts à quitter l'Hexagone, accompagnés de leur papa. Chercher les pioches. Désolé papa, mais tu rentrais pas dans la valise entièrement. Attention à vous. Tu seras bien content quand tu seras dans un fleuve à Nashville. Ah, ça me donne envie de vomir. Je te jure, ça coûte un bras maintenant les bagages en soude, papa. Allez. Je vais essayer de découper sa gueule pour en faire un masque ou un truc comme ça. C'est aujourd'hui le jour du départ. Et nos trois frères sont surexcités à l'idée de poser le pied sur le sol américain. J'ai presque pas dormi. J'ai passé toute la nuit à faire la feuille de route. J'arrive pas à lire, je suis trop fatigué. J'ai passé toute la nuit à faire la valise. Moi j'ai passé toute la nuit à branler ma longue bite. Malgré une nuit peu reposante, les Jones se sont fin prêts à découvrir la terre de leur défunt père. Un pèlerinage à la sauce rock'n'roll qui s'apprête à se dérouler de l'autre côté de l'Atlantique. Ça va? Ça va. J'ai tellement hâte de parler ma belle langue. Allez, bientôt. Bon, on s'est trompé de jour et c'était pas le bon aéroport. C'était abonné. Je repasse ma feuille de route. Faux départ pour les Jones, qui après une bonne nuit de sommeil, sont enfin prêts à remettre le pied à l'étrier. Cette fois-ci, c'est la bonne. Hasta la vista. L'aventure pour Nashville peut enfin commencer. Putain, y'a quelqu'un qui se branle dans l'avion. Je croyais que tout le monde dormait. On est arrivé. Ouais. Oh, wow. C'est comme dans les films américains. On est arrivé, papa. Tu peux faire un bisou à ta terre. Câlin collectif, papa. Oh. Attends, mais alors, où est-ce qu'on prend un taxi? Je vais tenter d'en appeler un. Il y en a un qui arrive. Ok. Ça a l'air d'être lui. C'est bon. Ouais, je crois. On peut y aller. Yeah. Let's go. So where are we going? Il me tue.
Nashville. Wow. C'est dingue. Les frères, bienvenue chez nous. Oh, regardez. Wow. On sait où on est. Les lettres sont dans le bon sens, c'est vraiment bien fait. Ça, c'est américain, il y a une logique implacable. Oh, regardez, un barbecue. Oh, wow. C'est dingue. Voilà une vraie quantité de lait. En France, on n'a que des petites dosettes. Il est sûrement meilleur, non? That's fucking good. Mais je crois que je préfère notre lait. Vous savez, chaque matin, je me réveille et je pense qu'il y a une seule chose. C'est le rock'n'roll. C'est dans mon sang et personne n'aime autant cette musique que moi. D'ailleurs, je me suis tatoué cette phrase. On est conscient que notre passion attire la curiosité. Mais on est juste pas né au bon endroit. Dans mon cœur, je suis nashvillois. D'ailleurs, je me le suis aussi tatoué. Je suis d'accord avec eux. Oh, America. America. C'est l'Amérique. Ici, tout est possible. À peine ont-ils foulé le sol américain, faut que je bosse les abdos, y a pas à chier, que nos trois artistes se précipitent au plus près du lieu dans lequel ils devaient initialement performer. Et voilà, on y est, Geodis Park. Je crois que les gérants de cette salle vont bien regretter de pas nous avoir pris. Hein. En même temps, ah, écoute l'acoustique. C'est vrai qu'elle est à chier. Ils ont voulu nous empêcher de rentrer. On va voir qui c'est qui va être empêché de rentrer. C'est là, y a une poignée. Bienvenue chez nous, au Geodis Park. Ok, on va la refaire pour le documentaire. Ok, bienvenue chez nous, au Geodis Park. Hey, s'il vous plaît, laissez-nous entrer juste voir la pluie. Vous êtes sûr de ne pas avoir reçu notre mail? Je vais tenter l'acoustique aussi par un autre truc. Pitié! On rêve de jouer là! Mettez pas ce moment-là où il a dit pitié, s'il vous plaît. Non, j'ai dit un mot au pif. Vous ratez ça. Allez, on s'en fout. C'est mal situé. Bon, on reste 5 minutes. Au cas où ils ouvrent. Vous attendez encore, là? Ouais, mais encore, on attend encore 10 ou 20 minutes et... On attend le bus! Et si jamais ils ouvrent, bon, on verra. Bon, là, ça fait 2 heures qu'on attend. On attend encore 10 bonnes minutes. Après 5 heures passées en cellule pour harcèlement et tentative d'effraction, nous retrouvons nos 3 mélomanes décidés à croquer la ville à pleines dents. Cette même ville dans laquelle leur défunt père a fait ses armes et où ils se sentent aujourd'hui comme à la maison. C'est fou comme ça, on est enfin américain, on se fond dans la masse. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais tout le monde est habillé comme nous. On est incognito. Oh. Merde. Ça, c'est une putain d'agglomération. Waouh. C'est dingue. C'est écrit son nom. Oh. Fais gaffe. Thank you. C'est méga bon. Et on ose dire que la gastronomie française est meilleure que ça. Hey, hey. Thank you. Là, c'est de la vraie violence, c'est des vrais coups qu'ils se mettent. Oh. Et ils n'ont même pas la sécurité sociale. Oh. You, that's how you can die. Ça te rappelle pas la baston contre Francis, tu sais, le mec d'à côté de chez nous. You, that's how you can die. C'est le jour J du concert. Mais avant de faire hurler la foule, ils décident d'honorer la mémoire de leur père et d'en apprendre davantage. What are those beer buses? Yeah. They got those in Denver. Yeah, they drive them all around Colorado. So you drink beer and pedal at the same time? Uh-huh, you do, yeah. Up and down, market and whatnot. Y'a pas ça en France. They've been doing that for a while though, yeah, now. Yeah. They don't have that. Pantage sur leurs origines. Down, yeah. Wow. C'est impressionnant. On est au Hall of Fame de la country. C'est ici que tous les documents importants sur notre père reposent. Sa taille, son poids, sa couleur préférée. Moi, je suis sûr que c'est le mauve. Les gars, regardez toutes les étoiles au sol. Elles sont en forme de guitare, c'est dingue. Il doit bien y avoir une Johnny Jones. C'est bizarre, là, il n'y a aucune étoile de Johnny Jones. Je pense qu'elle doit être dedans, enfermée dans une pièce spéciale, un peu comme la Joconde au Louvre. C'est bizarre, quand même. Bah ouais, c'est dingue. Ça n'a pas de sens. Le musée de la chaussure à Salon de Provence, c'était bien mieux que ça. Ouais. C'est n'importe quoi. On n'a rien trouvé sur notre père, on trouve ça super bizarre. On voulait juste vous dire que... Who the fuck are you? Voilà. Johnny Jones est mort. If you call this number one more time, ouais, le chanteur. The police. Stop fucking calling. Elle est en larmes. Ah. Elle est en larmes. C'est ici que notre père aurait aimé terminer ses jours. Ouais. Sur le sol américain. On le fait. Pour papa. Pour papa. Au revoir, papa. Thank you.
Leur deuil étant fait, il est temps pour eux de se livrer à une opération de street marketing encore jamais vue auparavant. Une distribution de flyers en papier. Et comme ils l'avaient imaginé, le succès est immédiat. It's here tonight. You already know what you're doing tonight. 10 p.m. Fat Bites. If you have something to do, this is it. Hi, ladies. What you doing tonight? This is our first concert ever in America. So you have to come. See you tonight. Tenez, c'est ce soir au Fat Bites. Vegan people hate me because I love cheese. See you tonight on the Fat Bites. Mister, we are the Jones. See you tonight. But mets un pantalon, s'il te plaît. Il y a plus de monde qu'au Stade de France, là. Ça va être incroyable, mec. Mac and cheese pizza, Donald Waffle, Coca-Cola, Brazil. Taco Bell. Not just Taco Bell. See you tonight. See you tonight. At 10 p.m. Okay, we'll be there to watch you. Elles sont très bonnes. Elles sont toutes fans de nous. Big Jones. Oh, vous êtes là. On vient de les faire à l'instant, on savait pas comment s'habiller. Est-ce que vous pensez que ça matche bien? J'ai l'impression que c'est pas mal, regardez. C'est fait sur mesure. Rock and roll. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Le blanc, c'est rock. Le bleu, c'est rock. Le pourpre, c'est rock. Okay. On est rock. C'est notre premier concert de tous les temps. Et croyez-moi, je crois que ce sera pas le dernier. Johnny Jones. Let's go. Les gars, here we are. Le Fat Bites, l'accomplissement de toute une vie. Vous entendez le bruit? Ouais. Je crois que les gens nous attendent. Moi, je vous le dis, on va vendre tous les t-shirts qu'on a ramenés pour le merchandising. Ouais. Vous voulez les voir? Regardez-les maintenant parce qu'à la fin de la soirée, il n'y en aura plus. Je vous le dis. Oh my God! Yeah. Fucking amigos! Nos fans sont déjà là, ils sont prêts. Like a boss. You love it. Boss, let's go. Notre public attend. On y va. Allez, go. Ok, on y va. Yeah. Hi, there's Leo. Anyway, it's Johnny Michael O'Toole. And this is my brother, Johnny Michael O'Toole. Yeah. And this is my older brother, Johnny Michael O'Toole. Dad, I know that you're looking at me from the sky. Dad, you know we will always be your first fan. Since this day, I want to join you every day. Dad, we want you to come back. Tell me what's going on tonight. I want to party, but I know I'm ready to take drugs. As you can see, we are some teenagers. We still go to school because we are teenagers. 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 Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better with enough the paper? Can I get some turkey? I need my proteins. Can I get some whiskey, a cool drink, a fontaine? Baby, I'm still hungry since this morning. I need like cheese and some cakes. Fried chicken, not a live chicken. I prefer fried chicken. Fried chicken inside my burger. I don't know why they're not a hit already. They got some good music. Burger, not a raw chicken because I love fried chicken. Fried chicken, baby. I just love the taste of the chicken wings. Mac and cheese pizza, Donut waffle, Coca-Cola, Brazil, Taco Bell, nachos, tacos, peanut butter, ice cream, bacon, cheddar, fried cheddar. Baby, I just love the taste of the chicken wings. I don't want a candy, I want beef, chips, ribs, and burgers.
fries and burgers. I'm American, so you can blame me, but I will not eat in your gourmet restaurant. That's a knife! C'était tout bonnement hallucinant. Il y avait au moins 1000 ou 2000 personnes, je sais pas, c'était la folie furieuse. Wow. À un moment, on n'entendait plus nos chansons. Il disait « Les Jones, les Jones ». Je peux vous dire que ce soir, on a eu des étoiles dans les yeux et sur nos pantalons. C'était incroyable, je crois qu'on va pas pouvoir s'en remettre. C'est pas un rêve. Pas du tout un rêve, c'est la réalité. C'est pas un rêve, vous êtes sûr? Réveillez-moi, s'il vous plaît. Oh, ok. C'est pas un rêve. Alors? C'est un revers. Maintenant, on va aller se reposer et profiter un peu de Nashville. That's right, bitch. Allez, venez les gars, on va boire une course live. Get the fuck out of here, man. T'as aimé? Toi, t'es rock. C'est pas un rêve. C'est pas un rêve, c'est la réalité. Tu veux une droite? Alors, c'est un rêve ou pas? Johnny? Johnny? Ça s'appelle 911, là, c'est pas possible. Après une nuit passée à digérer le rêve accompli, en plus d'une demi-quinzaine de bières premier prix, les voici contraints de retourner dans leur ancien pays. La date d'hier était incroyable. J'ai rarement vécu une date comme ça. J'ai même jamais vécu de date comme ça, puisque c'était la première fois. Comme toute bonne chose, aujourd'hui, il y a une fin. Les billets les moins chers, c'était aujourd'hui, donc on doit y aller maintenant, mais... On s'est vraiment attaché à cette ville, pas vrai, les gars? Ouais, carrément. C'est vrai. T'es en train de pleurer? J'ai pas les mots, les gars. Alors dis rien, parce que ça va me faire pleurer aussi et... J'ai l'impression... d'être un mangeur de brocoli. Non, Johnny. T'inquiète pas, Johnny, t'inquiète pas. Les gars, on y va. Au revoir, Nashville. On reviendra. Merci. Bye, bye. Merde. Ah, putain, non, je peux pas franchir cette porte. Je veux pas franchir cette porte non plus. Dans ton cœur, tu veux franchir cette porte? Bah, non. J'ai dit non. Moi non plus, je veux pas franchir cette porte. Bah, il m'écoute pas ou quoi? Putain, je sens la France d'ici, ça me fait dégueuler. Ah, putain, je te jure. Non. Je propose qu'on reste. On reste. On reste. On fucking reste. On reste. Est-ce qu'on reste, lui, ou merde? On reste. 3, 2, 1. On reste. Man, that is the video. Hold on. Yeah, you take it off. So that was the video. Set in the video. Now on va écouter lui, qu'est-ce qu'il pense de cette vidéo? What do you think about that video? Boys are wild. Did you take it bad or did you? I thought it was funny as hell. I thought, you know, that's kind of how we live. No, but no, it is. I like how they didn't let anyone, you know, kind of crap on their funk or nothing, or you know, kick them down or nothing. The whole place is clearing out, and they're just still in the background tearing it up. So. Yeah, he's on. No, that's I thought that was funny as hell. It was funny. So yeah. You liked it. Yeah, he let me on. Say American, huh? We pop our phones in, man. He let me on said video. Are you gonna show it to people in America? Oh, for sure, for sure. Be like, look, man, we got us figured out. Yeah. He's on tout compris. Yeah. Yeah, man. Okay, man. So, damn. He leaves in a few days. We can't do no... I don't know if it's no more videos. It's been fun. Yeah. Definitely going to have to try and make it back out here next year. Yeah, for sure. Coming in summertime. Yeah. Next summer. Lanny approaching Dalaete. Fuck you, Vian. We gotta have some fun. Go visit the south of France now. We've seen Paris, everything. Now we need to go to the south. Out of the old plage. Go to the beach. But yeah, man, we out of here. Au revoir, bientôt. Say goodbye to the people. Later.